aux Arcs-sur-Argent, près de Cannes. C'est ici que vit Sylvie, 51 ans. Ah, une photo, super. Moi aussi, j'ai pris un coup de vieux. Comme tous les matins, elle se connecte sur son téléphone portable pour discuter avec son amie Bérangère, qui vit à 17 000 km de là, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Avec Bérangère, on discute de tout. On discute de... du temps passé, du temps présent, du futur. Il y a un an et demi, ces deux inséparables se sont retrouvés sur Internet. Et depuis, elles ne se quittent plus, malgré les 9 heures de décalage horaire. C'est devenu un rituel. Avec Bérangère, on ne discute pas forcément tous les jours, mais au moins un jour sur deux. Au bout du troisième jour, on est obligé d'avoir une réponse toutes les deux. Internet a joué un rôle décisif. Sans ce moyen de communication, on n'aurait jamais pu se retrouver toutes les deux. Depuis le décès de son fils Nance, il y a 12 ans, Sylvie pense à Bérangère tous les jours. Harmonie, tu viens manger un petit bout ? Et quand elle retrouve Harmonie, son aînée, Bérangère est très vite au centre des conversations. T'as fait quoi aujourd'hui ? Je suis allée au sport ce matin, après un peu d'ordi. Et toi, t'as fait quoi ? Bah moi, en me levant ce matin, je me suis un petit peu connectée, en discussion privée avec Bérangère. Et puis, j'ai vraiment envie d'essayer de la voir en vidéo, quoi. Elles sont très très proches, ça aide énormément, maman, à surmonter l'essai de Nance. Je pense que s'il n'y avait pas eu la relation avec Bérangère, ça aurait été beaucoup plus dur. Elle fait partie de la famille parce qu'elle est avec nous tout le temps. Le fait qu'elle ait retrouvé Bérangère, ça l'a libérée d'un poids. Harmonie a compris l'importance qu'elle pouvait avoir pour moi. Et ça, c'est très bien. Armo ? Quoi ? Est-ce que tu as le pseudo pour que j'appelle Bérangère ? Ouais, j'arrive. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un coup de téléphone comme les autres que Sylvie va tenter de passer. Jusqu'à maintenant, elle n'a jamais réussi à utiliser sa webcam pour établir un lien vidéo avec Bérangère. Mais pour elle, impossible de se résigner. Je vais refaire rechercher. Après plusieurs tentatives infructueuses, notre équipe décide même de donner un coup de pouce à Sylvie. Alors, ici, rechercher ? Non. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. En fait, dans bébé. Allez. Mais sans succès. Alors finalement, c'est son téléphone portable que notre journaliste a réussi à configurer. Ça va, ma chérie ? Allô ? Alors ? Comment tu vas ? Ça va, ça fait bizarre. Ouais, moi aussi, hein. Quelle heure il est chez toi ? Il est minuit moins 20. Je suis désolée, ma belle. Principal, c'est qu'on se voit. Mmh. Regarde, c'est beau quand même, hein. Être si loin et arriver à se voir comme ça, super. Ouais. En effet, c'est la toute première fois que les deux amis peuvent se parler et se voir en même temps. Et Harmonie ? Harmonie, elle est à côté de moi. Tu viens, s'il te plaît. Salut, ouais. Ça va ? Coucou ma belle. Ça va et toi ? Ça fait un peu bizarre de te voir. T'as changé depuis que je t'ai pas vu. Hein. Tu te rappelles quand on allait au parc Borély faire du vélo à trois roues aux filles ? Oui, je me rappelle. Ouais. Et les churros aussi. Tu te rappelles aussi ? Ouais, je me rappelle. T'as une belle jeune fille hein, à côté d'elle. C'est magnifique. Merci. Tu me manques tellement, tu sais. Je tremble, excuse-moi, mais c'est l'émotion, quoi. Je vais te laisser pour que tu ailles te reposer un petit peu, quand même. Ben, je suis très, très, très contente, les filles, de vous avoir. Ouais, vraiment, aussi. Il n'y a pas de mots. Je te fais un gros bisou. Bisous. À bientôt. Nous aussi, on t'aime.
je ressens beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions et également beaucoup de frustration. Bérangère, c'est une personne que j'oublierai jamais. Elle a été là pour moi et je lui en serai reconnaissante à vie, quoi.